Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Recarverne sur nos TV. On est très content de vous retrouver ce soir avec la fine équipe. Malheureusement pour débriefer une défaite à Toulouse, mais bon, on s'y attendait un peu quand même. Donc ce soir, pour m'accompagner, allez, il a changé de place, on commence par lui, Alex. Bonsoir tout le monde. Bruno nous fait l'amitié de revenir. Avec plaisir, merci. T'as aimé ? Ah oui, j'ai adoré. Du coup, on y revient. Et merci de m'accompagner pour Movember aussi. J'ai l'air moins couillon comme ça. Jean-Luc, fidèle au poste ? Ben, fidèle au plus, ouais, numéro 61, et c'est la 8e de la saison. Les comptes sont tenus. Et heureux, on va mieux connaître notre invité. Et puis bien sûr, merci à Julien Hériteau de nous accompagner ce soir. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Bienvenue sur Recarverne et puis donc on est content parce que d'avoir des nouvelles têtes aussi un peu, parce que même si tu as été là depuis l'année dernière, on n'avait pas eu la chance de t'avoir encore sur le plateau. Donc enchanté de te recevoir. Bienvenue à toutes et tous. Donc Nico Géraud, Nicolas Gropa, côté connecté, Aurélie, j'ai vu aussi. Nico nous branche un peu déjà d'entrée. Ah oui, hein. Ouais, Stade Toulousain 31, ouais, ok, bon, c'est bon, c'est bon. Il est désolé. Bon, en tout cas, on a fait un bon match quand même et on va commencer par le débrief. Voilà, donc on appréhendait tous un petit peu ce déplacement au Stade Toulousain, effectivement. qui est bon, l'ogre un peu du championnat, même si leur classement n'était pas encore au rendez-vous aussi. Une équipe rajeunie pour affronter nos amis rouges et noirs. Et une première pour Couli, Ifal à l'aile. Donc on a pu un peu les voir se frotter au haut niveau. Le retour du capitaine aussi, Irae Simone qui est rattaqué. Une troisième ligne remaniée avec les deux jeunes de Seigne et Tixeron sur les bords et puis la première titularisation de Sowakula. Voilà, derrière aussi, on a revu un peu Anthony Bello à l'ouverture. On a laissé au repos Papi Urdapileta. Et Pesseli en deuxième ligne. Pesseli en deuxième ligne, effectivement. Donc pas mal de repositionnement et de jeunesse au pouvoir, on va dire. Et puis, je crois qu'on n'était pas, on n'a pas fait ce déplacement à vide. Il y a eu une grosse intensité, Alex. Ouais, une grosse intensité et même un peu de frustration, je trouve, parce qu'on fait un match, on est vraiment dans le sujet, on est bien, on tient un trajet haut au Toulousain qui n'était pas brillantissime, mais on a su faire ce qu'il fallait pour dire qu'on n'était pas venu en tant que touriste. Ouais, équipe rajeunie, moi ça m'a fait du bien, j'ai vraiment bien aimé, j'ai une grosse paire de boules quand je vois l'ampleur du résultat qui ne reflète pas du tout le match. Ouais. Donc c'est, voilà, qu'il y ait une victoire toulousaine, ça se comprend, par contre qu'on échappe le bonus, alors, même si le score est loin, mais on échappe le bonus, à mon sens, on avait largement de quoi récupérer ce bonus. Bruno, tu as... Oui, je rejoins Alex également, une belle prestation de cette jeune équipe. Qui a fait plus que tenir la dragée haute et faire douter quand même, je pense, ces Toulousains, même s'ils ne sont pas affolés, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, ils ont su quand même, avec leur fougue et puis l'intensité qu'ils ont su mettre pendant une grosse mi-temps, je dirais, les faire douter, et c'était très intéressant de voir cet état d'esprit. Un gros état d'esprit qui, je pense, on verra plus tard avec des joueurs peut-être plus expérimentés, peut permettre de sortir de certaines situations encore plus favorablement. Julien, toi, tu étais au repos, mais donc du coup, tu as préparé ce match avec les copains toi, toute la semaine. L'état d'esprit, avant tout, je dirais, a été très bon. Ça s'est préparé un peu, ça se sentait un peu comme ça dans la semaine aussi. Ouais. Ouais, on sortait aussi d'une défaite à la maison contre Toulon. Il faut le rappeler, c'est... C'était rageant, c'est frustrant. Enfin, perdre au Michelin, c'est un truc qu'on s'était interdit. Voilà. Là, une équipe de Toulon qui vient aussi remanier plus ou moins et qui nous tape à la maison, ça fait mal. Donc, bon, les choses ont bougé. Il y a des jeunes qui sont rentrés dans l'équipe, ça a tourné.
Mais on voulait se retrouver là-dessus, sur l'état d'esprit. Et comme vous disiez, c'est ce qu'on a vu. On a vu des mecs qui sont envoyés, des jeunes qui se sont filés. Et c'était ça qu'on voulait voir. Voilà, après, le score est lourd. Au final, on en aura attendu un peu plus. Mais de ce côté-là, c'est vrai que c'est encourageant pour la suite. Plus qu'il y a de frustrant, ce qui est lourd, ce sont les conneries. Quoi. C'est ça qui est frustrant. C'est que les Toulousains, voilà, on joue un peu de récupérer nos boulettes. Et surtout en fin de match, là, on fait quand même quelques manettes qui nous coûte cher. Donc c'est les boules. Par contre, j'aime bien et j'espère que le staff il va en tenir compte, bien évidemment. Mais voilà, ça peut aussi chambouler un peu les cartes, des hiérarchies un peu qui commençaient un petit peu à s'instaurer tout doucement au sein de l'équipe. Donc et là avec la trêve européenne, on va dire, ça peut être permettre de voir de nouveaux joueurs qui vont peut-être prendre un peu plus de temps de jeu. Donc ça peut être pas mal. Oui, de toute façon, il va falloir s'inscrire dans une rotation, Jean-Luc Chupot, pour rivaliser avec le nombre de matchs. On a déjà joué quelques-uns de la série de 15. Là, mais... on savait qu'il y avait une grosse série à enquiller. Comme le dit Julien, un gros regret, c'est le week-end d'avant contre ces Toulonnais qui sont venus gagner. Je m'interroge d'ailleurs, puisqu'on n'a pas débriefé, nous, ce match-là. Je m'interroge, on dit qu'on ne parlait pas. Hein. Je m'interroge sur cette fin de match, et quand on va regarder le classement tout à l'heure, je me demande s'il ne fallait pas aller chercher le match nul, plutôt que de s'entêter à vouloir marquer. C'est une saison, Alex, et on sait bien qu'on a toujours un peu de mal à aller marquer sur cette ligne. Et je voulais revenir là-dessus ce soir. De toute façon, j'y serais revenu quand on va regarder le classement. Ouais. Parce qu'on serait, à l'heure qu'il est, tout de suite, nous serions devant Bordeaux. Et peut-être avec une moindre pression pour aller affronter le Racing, que tu connais bien. Donc oui, on est toujours plus malin après qu'avant. Mais n'empêche que c'est un vrai fait de jeu. Après, ça n'empêche pas que quand... Pour l'état d'esprit, c'était bon aussi, quand même, de faire ça, de la jouer comme ça. Mais c'est sûr que comptablement parlant, c'était pas bon. C'était un point supplémentaire et privé, bien sûr, les Toulonnais des 4 points. Oui, ouais, c'est clair. Parce que quand on va faire le bilan de la dernière journée, les Toulonnais, ils se sont relancés sur cette opération. Ah, complètement. Julien, tu valides le choix, toi, ou pas? Le choix. Le choix d'aller en touche. Ouais, moi, je pense qu'il faut jouer la victoire. Ouais. C'est difficile d'en discuter après, mais si tu tentes 3 points, t'es pas sûr de les mettre. Bon, c'était face au poteau. Non, mais t'es sur le terrain, t'es sous moi, parce que c'est vrai que t'as raison, Jean-Luc, ça fait chier. Néanmoins, t'es sur un temps fort, t'as eu un match quand même où t'avais plutôt les voyants en vert. Là, tu domines sur la fin, tu refais remonter le terrain complet. On voit que les Toulonnais sont quand même sont à la rupture. Hein. Ils sont vraiment à la rupture. Si on ne se fait pas enfumer, on passe la ligne. Les mecs sont tous les mains sur les genoux. C'est tout aussi. Hein. Putain, j'ai apprécié qu'on aille chercher ça. Par contre, moi, sur le terrain, à la place des gars sur le terrain, j'aurais dit, on prend la touche, on les matraque. Par contre, en tant qu'entraîneur, j'aurais dit, non les gars, 3 points. Et bien sûr, mais sur le terrain, moi, en tant que joueur, j'aurais dit, non, on y va. Mais bien sûr qu'on y va. T'as coaché, tu le dis. En tant qu'entraîneur, j'aurais dit les gars, 3 points. Il y a un moment, tu dis, et en plus, si tu veux, je touche le micro, pardon, Gislaine. et en plus, si tu veux, ça permet de dire aux autres équipes, vous voyez, on peut gagner au Michelin. Et tu fais le nul, tu élimines cette situation-là. Et on voit d'ailleurs Christophe Furios à la fin, quand l'arbitre siffle, il dit « on fait quoi là ?» On voit sur ses lèvres. Ouais. Et donc voilà, donc c'est fou. Non, puis en plus, sur cette dernière phase de jeu, puis on terminera, on rebasculera sur Toulouse, mais sur cette dernière phase de jeu où on revient sur la ligne, matraqué, pilonné, et sans jamais que l'arbitre tende le bras aussi nous remette un avantage, on aurait pu avoir une extra ball encore quand même, si la logique est respectée. Tu peux regarder le match 50 fois, ils sont tous hors jeu sur le bord des rucks, qu'ils devraient être derrière la ligne. Donc au bout d'un moment, moi je comprends, j'en parle souvent, mais
Je comprends la frustration de Christophe Urios, qui, où enfin la SM va dire il y en a ras-le-bol de se faire endoffer aussi. Parce que là, on en est là, c'est qu'on est arbitré comme une petite équipe. Mais pourquoi? Et le pourquoi Stade Toulousain, ils ont l'immunité du champion, quoi. Mais bien sûr. Et pourquoi? Et toi, t'es d'accord avec ça, toi? Mais c'est normal. Bah non. Non, c'est pas normal. C'est normal, bien sûr. L'arbitrage, tu dois pas arbitrer différemment une équipe à l'autre. Tu crois quoi, toi, quand tu vas une au tribunal, de hiérarchie, tu sais pas, tête de client, ou tu vois que, bien sûr. Quand tu vois Ramos qui joue les coups francs à 5 mètres de là où il devrait les jouer, et puis on le laisse faire. Et alors que toi, nous, tu reviens, machin. Pour avoir vécu les deux, ça se construit, ça se développe. Bien sûr qu'on est tout de suite, on n'est pas. Ouais, on s'engueule un peu. Non, mais faut. Les choses sur les arbitres. Faut qu'on arrête de tendre la joue, et c'est très bien, on s'est rebellé cette fois-ci. C'est très bien. C'est très bien. Et on a montré des signaux forts et qui sont intéressants. Et qui vont tout doucement faire pencher cette balance arbitrale, parce que oui, c'est un mec qui est sous le terrain qui est influencé. On le sait tous, c'est le jeu, c'est justement d'aller manipuler, si je peux dire, en tout cas manœuvrer l'arbitre. Et plus t'es vieux, plus tu sais comment faire, parce que moins tu cours vite, et du coup, tu passes plus de temps près du mec. Quoi. Tu compenses ça. Non, mais c'est vrai que, en tant que joueur, je te demande pas de parler forcément, de nommer des arbitres, mais je veux dire, c'est toujours frustrant quand tu sais que ça pourrait basculer en ta faveur. Et que ça penche pas de ton côté, tu as un sentiment d'injustice encore plus quoi, quand tu es sur le terrain. Quoi. Ah, clairement, à Toulouse, je trouve que l'arbitre n'a pas été au niveau. Peut-être que mon avis, on a perdu, c'est la frustration qui parle, mais il y a des décisions, on se pose des questions. Quoi. Oui. Donc c'est vrai que, comme tu disais, on est arbitré comme des petits, et même à la maison, au final, on le voit. Ouais. Donc, c'est à nous de faire changer les choses parce que, bon, c'est par des résultats, par ce qu'on va montrer sur le terrain et que ça a bougé. Par le caractère sur le terrain, comme ça a été montré à Toulouse et contre Toulon aussi, parce qu'on a eu le caractère. Oui. Caractère. Donc, bien sûr, c'est hyper frustrant, c'est des boules. Et surtout quand on a été abreuvé au caviar pendant un moment avec rappelez-vous des fois, on gagne des matchs dans cette longue série dans la Cimité au Michelin, on gagne des matchs qu'on ne doit jamais gagner, hein, parce que l'arbitre est de notre côté. Hein. Il y a eu des scandales de l'autre côté. Donc c'est une dynamique qu'il faut impulser et ça va prendre un peu de temps. Mais alors, on est en train de le faire. Quoi. On le sait, hein, parce que si on se rappelle la demi-finale de 2010 ou ah bah 2000 avec le Racing oui. Le barrage déjà contre le Racing Dato qui échappe oui mais est-ce qu'il faut qu'on paye ça moi non, je suis pas sûr non mais, paye, mais, non, que, mais ce que veut dire Alex de gérer d'un poids inconscient de l'équipe sur l'arbitre sur l'arbitrage quoi donc non mais c'est sûr que ça influe mais c'est si tu veux, au bout d'un moment, moi je comprends qu'il y ait de la frustration. Et quand tu vois contre Toulouse, mais un fou qui s'infiltre, on ne sait pas trop comment, qui est chez nous. Ah, par-dessus là, oui. Qui par-dessus, qui finit par être au sol, être couché au sol, tenir le ballon. Ça, par contre, quand il Bézi arrache le ballon et fait en avant parce que l'autre continue de gratter. Et l'arbitre qui lui dit, t'as qu'à pas faire en avant. Sachant qu'on voit la main en plus de Mafou qui fait ça. Quoi. Moi, je l'ai trouvé, je pense qu'il doit prendre des cours de yoga, Seb Bézi, parce que moi, là, sur le coup, il était un arbitre qui me dit t'as qu'à pas faire en avant, là, tu pètes un câble. Il y a plusieurs phases de jeu comme ça, ces fameuses zones de ruck où on te dit t'as mis la main par terre avant d'attaquer le ballon, alors que t'as trois jaunes et un rouge au sol. Tu dis bon. Pesceli, avec Pesceli, oui. Pesceli, il a récupéré. Il met la main. Ouais. Bon, pas bon, c'est comme ça. C'est, pas, ça fait peur. Ça va finir par basculer. Hein. Oui, ça penche du bon côté. Hein. On comprend, hein, tu sais, la réaction aussi d'Urios, là, bon. Par rapport à l'arbitrage, quand t'es coach et tu vis tellement les matchs, t'es tellement dedans que t'es tellement frustré. Puis après les décisions de l'arbitre, c'est les décisions de l'arbitre. Bon, il y a bien des vidéos, on voit des choses, mais bon, c'est vrai que l'interprétation de l'arbitre, c'est l'interprétation de l'arbitre. Et je pense qu'arrivé un moment, c'est bien de monter au créneau, ce qu'il a fait aussi, de faire voir on est là, et puis ça fait. De dire que ça fait un petit moment que ça dure aussi, et puis petit à petit ça va évoluer, ça va changer. Comme disait Julien aussi, c'est à eux de le faire voir sur le terrain, en multipliant un peu les dernières performances et dans ce sens-là, et puis
C'est une histoire de respect aussi. C'est, après, voilà. Après, il faut savoir qu'il y a aussi du travail fait avec les arbitres et aussi pour préparer. Enfin, Julien pourra mieux raconter que moi. Quand tu prépares tes entraînements, ta partie un peu au pot, tu vas faire en sorte de préparer aussi les marottes de l'arbitre, sur quoi il va être plus vigilant ou plus sensible. Et des montages vidéo. Tu confirmes ça, Julien, ouais, vous avez des infos un peu sur ce qu'un arbitre siffle ouais. plus que d'autres, machin. Oui, tout à fait. On a... Avec Christophe, je pense qu'il a une relation avec tous les arbitres. Ils s'appellent ou ils font des visios pour avoir un peu la tendance ouais. sur les fautes à ne pas faire, la vigilance. Donc nous, on s'adapte par rapport à ça. On sait que quand on sait qu'un arbitre est vigilant sur les mains au sol, au niveau du dégrattage, voilà, on en parle la semaine, on essaie de travailler en conséquence, sur les lignes de hors-jeu, etc. On a un arbitre qui vient aussi nous entraîner, ouais. qui vient nous arbitrer les mardis, jeudis, enfin, pour les oppositions. Ça permet d'avoir un focus avec lui sur toutes ces petites fautes à ne pas faire, être vigilant. Donc ça nous aide, ouais, on a pas mal de trucs. Ouais. Puis il faut savoir quand même, vous avez l'exemple, ben, je reviens sur le match de Toulon, vous aviez un juge de touche qui s'appelle Ludoker. Et il était sur le match de Toulon, et si vous regardez ce week-end, il arbitrait le match de Toulon. Parce que maintenant, vous ferez attention qui sont les juges de touche et où ils sont la semaine d'après. Et bien souvent, ils sont sur le bord de touche pour déjà regarder l'équipe. Qui vont arbitrer la semaine d'après. Et c'était le cas de Kerr à Clermont. Putain, j'espère que c'est pas bon, vrai. Ce que veux dire que c'est biaisé, si parce qu'il n'y a garde qu'une équipe. Ouais. Hein? Il peut regarder qu'une équipe. Non, mais ils ont déjà un sentiment, ils voient les points. Ils en vivent une déjà. Et oui. Mais les arbitres font les vidéos aussi. J'espère que c'est qu'une coïncidence que tu dis. Parce que si c'est ça, là, moi, je suis encore plus fou. On arbitre Arnaud très chauvin sur les arbitres. Ouais, mais bon, c'est... Mais c'est pour tous les arbitres. Hein. Tu regarderas où ils étaient la semaine d'avant et où ils sont la semaine d'après. Ouais, bah, tu feras le débrief. Notre ami toulousain, il dit que Rios n'a jamais aimé les Toulousains, tu vois. je sais pas s'il les aime plus ou moins que les autres, j'en sais rien. Non, mais en tout cas, c'est bon. Ce qu'il faut avouer quand même contre Toulouse, c'est que on prend des beaux essais, avec des phases de jeu construites. C'est vrai que ça, ils ont par moment retrouvé leur jeu à la Toulousaine. Quand on arrête de leur casser la gueule. En défense, vous c'est sûr pas, que ça vous finit n'avez par pas sourire, parlé quoi. Du juste avant la mi-temps, on échoue sur un drop qui aurait fait que le score aurait pu être hyper serré à la mi-temps. De toute façon, 7-3 à la mi-temps ou 7-6. On aurait pu faire 7-6 c'est vrai à la mi-temps. On signe dès demain. Même 7-3 dans le match. Ouais. 7-3 à Toulouse. Était bien. Même pour, enfin, quand tu rentres au vestiaire pour la confiance, tu dis il y a quelque chose à faire. Ouais, c'était bon. C'est sûr que là, c'est le malheur dans tout ça, c'est qu'ils arrivent finalement à creuser l'écart un peu contre le cours du jeu, bon, avec des belles actions quand même. En fait, les signaux, à un moment, tu prends la première mêlée, quoi. Quoique les Toulousains qui sont restés très longtemps, justement, pour faire péter, j'ai mangé le nom du jeune talonneur. Couli. Couli, merci. Justement, pour le mettre un peu sous pression. Première mêlée, ils sont restés trois points dessus. Ouais. Mais trop longtemps. Et ça du coup, pas ça n'a pas bougé. Non, mais en mêlée, on a été la deuxième, je trouve que ça a été exceptionnel en mêlée. Ok, il y a plein de signes forts qui sont rassurants, qui font du bien, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment d'ailleurs. Mais ouais, c'est comme ça, après, c'est des boules. On parle d'un joueur, d'ailleurs, Couli, qui jouait en réserve à Rion deux ou trois ans. Il y a deux ans. Heure, là, ouais. Donc là, l'ascension, elle est plus qu'éclair quand même. Hein. C'est quand même exceptionnel, quoi. Dans la presse, ses copains qui jouaient avec lui deux ans auparavant, qui regardent le gars attaquer le match à Toulouse, enfin, je veux dire, ça fait partie des belles histoires aussi quand même. Non, pour une première, il avait fait 0 minute, il n'avait pas mis le pied sur le terrain. Là, allez, baptême du feu, vrai baptême du feu. Chez le champion. Et c'est pas des montées. Hein. Après, globalement, c'est vrai que bon, Urios voulait des avants conquérants. Là, il a eu pendant plus d'une mi-temps des avants plus très conquérants. À mon sens, on a manqué sur la première mi-temps quand même de concrétiser certaines actions où on était dans cette phase de domination. Tu parlais d'un drop, si ça avait pu sourire, être un peu plus réaliste, on aurait pu étoffer un peu plus le score à ce moment-là, quoi.
C'est vrai que c'est deux grosses défenses en fait qui se sont affrontées en première mi-temps. Puis quand on voit que on marque les premiers points à la 17e minute, quoi, c'est pendant un gros quart d'heure, ça tapait dans tous les sens et ça franchissait pas tellement, quoi. T'as vu Jérôme Martin qui dit qu'il y a Pascal Gauzère qui balance ses congénères. Oui, bah oui. Après, c'est vrai que on avait eu des problèmes de riches pendant un moment aussi avec l'arbitrage. Quand on avait des Poites, des Gauzère, des Garcès, c'est vrai. Même Ruiz, c'était quand même parmi les tops. Bah on est sur un renouvellement des référés. Donc, effectivement. Et oui, tous ces gars qui sont partis dans les staffs avant la limite d'âge, certains, et ben ça fait un trou, hein, je pense, quand même au niveau de la qualité. Bon, après, l'expérience. Les mecs vont bosser, quoi. Mais y en a certains qui manquent d'expérience et puis d'autres qui... Alors, c'est vrai en top 14, mais je ne sais pas si vous arrêtez des fois sur la Pro D2, toi. Je ne sais pas si tu suis encore à Jeun, puisque tu y es passé. Si Jeun joue et que je peux les regarder, je les regarde. Et de temps en temps, je bandis quoi, en Pro D2. Hein. Et parce que là, ils sont encore plus jeunes. Hein. Ben oui, c'est normal, ça a tout tiré d'un cran. Hein. Il a fallu faire grimper des jeunes et au bénéfice de nos régionaux, d'ailleurs. Il y a quelques coachs de Pro D2 qui doivent s'arracher les cheveux. Hein. Oui, je peux te dire, il y a quelques remontées en commission de discipline avec les arbitres. Oui, t'en écoutes parler, Alex. Ouais. Non, après, voilà, c'est vrai que pour terminer sur ce match de Toulouse, effectivement, ça laisse beaucoup de regrets parce que le score est beaucoup trop lourd. Cette dernière action où ils nous font une Toulousaine, quoi. C'est Ntamack de la finale. Voilà, un peu, ouais. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il a encore, il surfe sur une, je dirais une boulette un peu, parce que c'est vrai qu'il y a 80, on est à 80 mètres des poteaux. Ouais. Je crois que c'est Yato qui monte en pointe, qui croque pas le mec, et du coup ça ouvre une brèche de dingue. Et puis on n'arrive pas à rattraper le coup parce que c'est là aussi la 80e minute. Donc puis ça va vite. Ça va très vite. Il y a des pattes derrière. Il y a de la vitesse. Là, ça va vite. Quand ça s'engouffre. Tu l'as vu arriver celui-là, toi, ou pas de la télé, ou pas quand tu vois. Moi, j'étais 24e. Ah, t'étais dans les tribunes. Quand tu as Pessi qui coupe la ligne, tu dis. Ouais. Une fois que ça passe le premier rideau, quand j'ai vu Ramos accélérer, j'ai compris que. Je me suis dit, à Toulouse, il y a toujours du soutien. Ouais. Compliqué. Plusieurs fois dans la partie, il nous brèche un peu, et là, tu tapes, quand il commence à casser le premier rideau, et on a bien rattrapé les coups, quoi. Mais on a rattrapé les coups. On a quand même très très bien défendu. Contre le Racing, sera pour nous. merci Nico. Alors Christiane qui dit certains arbitres de Pro D2 sont très bons. On n'a pas dit. Oui. J'ai dit qu'il y en avait quelques-uns qui tenaient pas leur match, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont très surtout, bons. D'autant plus qu'il y a une poussée d'arbitres régionaux. Oui. Hein, surtout Benjamin Beriot et Benjamin Hernandez. Ils sont en Pro D2, c'est qu'ils sont déjà bons quand même. Oui, je pense. Oui. quand même. Faire partie des 30 meilleurs. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Et puis oui, donc maintenant, le souci qui se profile à l'horizon, c'est qu'on va devoir recevoir ces Racing Man maintenant. Un leader. Ouais. Leader, ouais. Et qui a fait un gros match contre La Rochelle avec parfois des coups de mou, mais ça a été un match un peu spécial contre La Rochelle. La Rochelle à 14. Le capitaine des champions du monde aussi. Ouais. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'il va jouer? J'ai l'impression qu'il veut jouer. Moi, je serai Lancaster, je le ferai jouer pour qu'il ait du temps de jeu avec le club et avec l'équipe. Et après, c'est sûr que le Racing va aussi arriver avec une perspective Coupe d'Europe. Donc, ils vont être dans cette dynamique-là aussi. Donc, je ne vais pas dire que c'est un match de préparation pour eux, mais ça va être un match de transition pour eux. Donc il y aura quand même je pense, des surprises au niveau de la compo, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, Colissi va jouer, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça va être sexy de jouer. Oui, mais bon, c'est de la triche, c'est ton fils qui confirme, attends. Donc Nucci était sur la touche du Racing, effectivement, et nous arbitre ce week-end. C'est ça, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc, première confirmation, Jean-Luc, tu vois, impeccable. T'es bon, Jean-Luc. Au travail d'analyse. Ce qu'on dirait pas comme ça. Je te dirais en off. Bon, Julien, il a fallu switcher du coup rapidement et focus sur le Racing. Donc, ce début de semaine d'entraînement se passe bien.
Ouais, bah écoute, on a eu un déplacement en bus à Toulouse. Donc le retour était un peu difficile. On est rentré tard dimanche. Donc lundi, d'habitude, on s'entraîne. Là, finalement, c'était à moitié off. C'était basé sur la récup pour faire régénérer les mecs. Et donc notre journée du lundi, on l'a eu aujourd'hui. Où on mettra notre offensif, notre défensif pour préparer le Racing. Donc là, début de semaine, on analyse la vidéo, on fait de la vidéo, comment le Racing attaque, comment le Racing défend. Et on se tourne vers samedi parce que ça va être un rude combat. C'est une équipe très offensive qui joue pas mal avec des grosses individualités. Donc il y a des pattes derrière aussi. Il y a beaucoup de pattes. En fait, c'est lourd. Ouais. Ouais, les deux. Et devant, ça s'y file, quoi. C'est costaud, ça s'envoie, donc c'est un sacré challenge. C'est déjà un gros match à pression. Suite à la défaite aussi de Toulon à la maison, on ne peut pas se permettre d'en perdre à la maison. Mmh. Donc oui, une grosse pression. Celui-là, ouais. Alex, prévu que je vous abandonne. Eh bien, écoute. Continuez bien, les gars, désolé. Merci d'avoir analysé avec nous, malgré tout. Ouais. Salut. En tout cas, maintenant, oui, effectivement, la question, c'est comment le Racing va se déplacer, sachant qu'il y a le match de Coupe d'Europe, de Champions Cup pour eux derrière. Nous aussi, après, c'est la Challenge Cup. Et finalement, dans notre chance habituelle, on n'a pas une poule si facile que ça en Challenge Cup, parce que les Écossais et les Gallois, non ? Les Anglais, les Écossais, les Anglais derrière. Bon, il y a à part les Géorgiens où on peut se dire que ça va bien se passer. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Mais... on n'est pas dans la configuration du Racing, par contre, qui les doivent. Les Gallois. Qui doivent... Ouais, c'est bien les Gallois. Excuse-moi. Bon, ça va, ça me rassure. Ouais. Tu m'as fait douter. J'ai bugué. Non, mais c'est vrai qu'on peut espérer quand même que le Racing fasse tourner. Mais bon, la dernière fois, ça ne nous a pas forcément réussi non plus. Donc, on peut se préparer qu'à un gros match. Ce sera un gros match, ouais. Quoi qu'il arrive. Nous, on a obligation de livrer une grosse prestation. Et puis, bon, le Racing, ils ont une dynamique qui est bonne. Et il y a cette Coupe d'Europe derrière. Donc, oui, c'est, comme disait Alex, un match de transition, pas de préparation. Mais ils vont venir pour faire quelque chose. Ils vont pas... Ouais. Ils vont jouer les coups, en tout cas. Ils vont jouer le coup à fond. Donc, je le pense. À voir après avec la compo et ce qui se fera. Mais ça devrait se dérouler comme ça. En tout cas, je pense que la Yellow Army va se déplacer en masse parce que déjà, le public était présent contre Toulon. Alors, on espérait plus, mais il y avait quand même 17 000 personnes. Mais il n'y avait pas autant que contre Bayonne. Donc là, je pense que... Contre le Racing, ça peut, surtout après un match probant contre Toulouse et qui laisse plein de frustrations, je pense que les supporters vont faire un dé, vont se déplacer pour voir ce gros, on espère aussi, ce gros choc. Oui, surtout. Ouais. Je pense que tout le monde a en plus assez conscience de l'importance de ce match, qui est quand même un peu un match, on parlait de charnière, transition sur la saison, parce que suivant le résultat, on ne l'envisage pas. La défaite, bien sûr, mais suivant le résultat, tu es où dans les 6 ou tu te retrouves dans la queue de la poule. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même... C'est vrai qu'il y a eu urgence à recoller tout de suite, s'il faut, voilà. Mais après, bon, moi, j'ai confiance. Comme je le disais tout à l'heure, l'état d'esprit qu'il y a eu à l'extérieur, avec une compo un peu plus expérimentée samedi, ça va le faire, quoi. Surtout qu'il y a du monde qui revient un petit peu à l'entraînement aussi parmi les blessés. Là. Thomas Lavanini a attaqué cette semaine. Ouais. Je crois qu'Étienne est en phase de reprise aussi. Mais peut-être, Étienne a repris tout à l'heure, donc ouais, il reprend. Je ne sais pas s'il pourra postuler, mais en tout cas, il est là, il est sur le terrain. Johan Berrigaray aussi. Il avait quelques petits soucis, il est là, il est de retour. Après, je ne sais plus qui c'est qui a... Il y a des retours. Oui, il y a des... on voit... Au talent, ça fera du mal. Au talent, ça commence à... Ça va faire souffler Fenga. Ça va pouvoir tourner un petit peu. Il a bien enchaîné. Il a pas mal enchaîné, oui. Et c'est vrai qu'il faudra gérer peut-être presque l'abondance après, parce que effectivement, pour le petit Coulis qui a bien dépanné, qui a fait mieux que dépanner, il faudra gérer un peu le...
l'état ça, d'esprit quoi, pour lui. On parlait du public, c'est important pour toi, le public du Michelin, la Yellow Army, pour toi et pour le groupe en fait. Vous en parlez entre vous T'en parles pas forcément tous les jours. Mais cette ambiance, on en discute parce qu'on sait que, on sait qu'on doit faire des bons résultats pour qu'il y ait du monde au Michelin. Parce que les gens ils viennent quand ils se retrouvent dans l'équipe quoi. Si ça gagne, si ça, comme ce week-end à Toulouse, vous le disiez, l'état d'esprit était bon. Je pense que ça plaît aux supporters dans le fond. Ils ont vu une équipe qui a pas lâché. Donc les gens vont venir, les gens viennent et c'est ultra important parce que le Michelin, nulle part ailleurs, ça pousse comme ça. Toi qui as connu Mayol, c'est différent de Mayol. Mayol, ça pousse fort, mais c'est différent. C'est une antre particulière. Ça pousse très fort. On l'a vu à Toulouse ce week-end. C'était un Toulouse-Clermont. C'est une grosse affiche du. 18 000, je crois. Que vous voilà, mais ça pousse pas autant, quoi. Ouais. Les gens sont à Clermont, ça supporte vraiment fort, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé assez énorme cette la fin de match. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais la fin de match contre Toulon, le public, le stade était prêt à exploser, quoi. Elle était debout. C'était bouillant, même quand il y a eu l'arbitrage vidéo sur l'essai là de Toulon, qui au final est accordé. Quand le public se met à siffler, ça déménage. C'était monstrueux. Donc le public du Michelin est hyper important et nous, ça nous pousse tellement dans les moments où on est proche des lignes, où on est proche pour marquer un essai, ça aide forcément. Ouais, c'est sûr que ça peut être un appui supplémentaire, on va dire, ce samedi là contre ce Racing qui finalement a eu un match plutôt qui s'est facilité, on va dire, le match contre La Rochelle parce que. Le carton rouge, ça a compté aussi, qui est venu rapidement sur l'ex-pensionnaire du Racing, d'ailleurs, Teddy Thomas, qui fait beaucoup de la corde à linge. Elle est belle, la cravate, là. Bien, ils n'avaient pas le choix que de siffler un rouge. Puis il y a eu pas mal de cartons, quand même. N'empêche que c'est Rochelet, qui à un moment était en grosse infériorité numérique, on réussit un moment à faire douter les ciels et blancs, hein, le Racing. Ouais, c'était serré. Ouais. Donc, ça veut dire que ce Racing, bien pris, oui. Ouais, après, ouais, oui, c'est vrai. Après, il y a aussi un peu de relâchement peut-être de la part du Racing à ce moment-là, inconsciemment. Ils avaient tourné, oui, effectivement, t'as raison. Tu te relâches, je pense. Donc, on l'a vu, ils ont, sur le match, ils confirment qu'ils sont en bonne forme et que... Et que ils sont dangereux, donc. Oui, de toute façon, c'est clair que contre le Racing, c'est un peu le même problème que contre Toulouse, c'est d'arriver à les agresser pour pas qu'ils puissent mettre leur jeu en place, parce qu'on sent effectivement que c'est en train de se mettre en place. Ils ont quand même renouvelé là encore le staff. Il y a quand même des gros changements. Il y a des beaux joueurs dans cette équipe, et il faut que on sent que la mayonnaise commence à prendre. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux arriver à les perturber, effectivement. Quoi. Ah, tu vois, parce que... Il y a une intervention de Jonah Rusigby. Et oui, effectivement, représenter toute l'Auvergne, c'est ça. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est un leitmotiv, je suppose que vous, en tant que joueur, vous le ressentez, cette notion de territoire qui est martelée par le président, par Christophe Furios, qui adore aussi cette notion-là. Ouais. Le fait d'avoir un peu parcouru les différents clubs d'Auvergne, justement, dans les phases de préparation ou dans cette coupure Coupe du Monde, tu as pu découvrir un peu des trucs sympas, je suppose, là. Ah ouais, on est allé assez loin, mine de rien, on est allé un peu dans le Cantal. Jusqu'à Saint-Flour, oui. On est allé à Saint-Flour, Brioude. Ouais. On retrouve partout un engouement autour de l'ASM. Donc ça c'est beau. Et ça montre l'importance qu'a ce club pour les Auvergnats. Oui, c'est sûr. Et puis, vous avez pu rencontrer aussi des interlocuteurs économiques, un peu les certains sponsors. Fait les autres Volvic. Les autres Volvic, Jacquet. Je crois que vous êtes retourné chez Jacquet. Non, je crois pas. Non, peut-être pas cette année. En tout cas, on a fait Volvic. Oui, Volvic, à la fois l'eau de Volvic et la sculpture de ça. Thierry Courtadon. Exactement. On a pris plein la vue, là. Bon, ça, c'était cet été pendant les Vulcains, ouais, notre préparation. Pendant les Vulcains, oui. C'est vrai qu'on a découvert un peu tout le territoire. Vous ne faites pas les vignobles ?
Ah, les vignobles, on n'a pas fait encore. Interdit. Et avec Christophe qui est dans le vin, on aurait pu, mais bon, on n'a pas fait encore. Oui, c'est vrai que c'est un spécialiste et, aussi. Ouais. Ouais. Mm. Mais moi, personnellement, j'ai fait les vignobles. Je suis allé visiter un peu du côté de... Mince, j'ai paumé le nom. Châteauguay. Non, là où... Plus au sud. Ouais, plus au sud. Ouais. Là où il y a les cheminées des fées, là. Ah, vers Courant, vers Courant, le... Ouais, un truc comme ça. Ouais, les caves Miolan et compagnie, là. À peu près, dans ce coin-là. Boud. Ouais, Boud. Côte de voilà, Boud. Voilà, c'est ça. Ça y est, c'est tombé, Julien, on en parlait en off. Ah. Charlie Licha. Ah, Julien, Charlie, voilà. Julien, dis-nous ce que tu peux dire ou pas dire. On sait que ça a été bon, dit dans la presse qu'effectivement, tu fais partie de ceux qui sont en fin de contrat, ça c'est sûr, et qui sont en phase de négociation. Ouais. Enfin, phase de négociation, c'est ce qui s'est dit, mais pour l'instant, c'est un peu le flou. Donc, il n'y a rien pour l'instant, on va dire. Voilà. Donc, je suis dans l'attente. Mais On va dire que la date butoir a été prolongée. Comme ça, ça laisse à tout le monde le temps de réfléchir. Exactement. Voilà. Ouais, mais très bien. Comme ça, on aura répondu partiellement et sans dévoiler quoi que ce soit. Oui, parce qu'après, effectivement, voilà, on fera le point, je suppose, après ce match du Racing, d'ailleurs. Et puis, l'avantage, c'est que depuis le début de la saison, tu as pu... enquiller, comme on dit, pas mal de matchs. Donc, effectivement, ça a suscité des réflexions. On va dire ça. Il y en a qui te font signer déjà. Tu as Yves Delair, tu vois, Julien, c'est OK pour nous. Oui. Tu as un supporter. On va faire une pétition, du coup, on va lancer une pétition. C'est la mode en ce moment. Donc, en tout cas, maintenant, on va aborder une rubrique... dédié à notre émission qui s'appelle Anecdote de vestiaire, où là on va consulter Julien. Et on a le petit jingle de la loutre à qui on fait un petit clin d'œil d'ailleurs et qu'on embrasse. Bon, dimanche dernier, il y a eu la guerre, à un moment donné, il a fallu envoyer quelques chiffardasses, bon, ça fait partir du jeu, on se régale. Hein. Donc Julien, est-ce que tu as eu le temps de la réflexion pour sélectionner parmi beaucoup, tant d'autres que tu as pu connaître une petite anecdote de vestiaire. Moi, j'avais plein de trucs, mais bon, c'était pas forcément des anecdotes d'après victoire, mais j'ai un truc qui me vient en tête. Après, c'est une autre époque, c'était lorsque j'étais à Agen. Ouais, mais justement, et, très bien. Ça m'est revenu en tête parce qu'au final, c'est un peu drôle. On avait. Il y a prescription en plus, maintenant. Il y a prescription, donc voilà. Ça va. Et puis c'était passé, donc. On avait à la saison où je quitte Agen pour Toulon, on se maintient du coup. Et dans le vestiaire, Philippe Sella avait amené des poches avec des bouteilles de vin pour offrir aux joueurs partants. Et bon, quand tu te maintiens, tu fêtes un peu ça. Et c'était ventre glisse général dans le vestiaire. Et sauf que j'ai eu la bonne idée de me lancer de assez loin. Et j'ai fini la tête la première dans les sacs de vin. Dans les cadeaux. Dans les cadeaux. Donc, je me suis ouvert l'arcade et j'ai cassé une dizaine de bouteilles de vin. Donc, fait le strike. J'ai fait un strike, comme on dit. Impeccable. Voilà, une petite anecdote. Et puis comme ça me fait repenser au temps d'Agen. Mais... Qui était coach à Agen à l'époque? Qui c'est que j'avais sur la dernière année, c'était Mauricio Reggiardo, Stéphane Prosper. Mm. J'ai connu aussi Mathieu Blin, c'est lui qui m'a fait commencer. Donc ces trois personnes. C'était déjà Stéphane Prosper, entraîneur des trois quarts sous Mathieu Blin. T'es retourné à Agen depuis? Le stade a bien changé. Hein. Le stade a changé, ouais, ça a beaucoup bougé. Ouais, je suis retourné une ou deux fois. Moi j'ai ma famille dans le Gers, donc c'est pas très loin, mais quand j'ai des plages de repos et que je rentre en famille. Et bon, j'ai un peu de temps pour bouger, mais... ça passe assez vite, mais le stade a bougé, ils ont fait évoluer les choses, donc c'est bien pour eux, c'est bien pour Armandy, je trouve que... On va en reparler justement, parce que on a toujours une petite surprise en fin d'émission, et on reparlera un peu plus de ton cursus un peu, okay.
atypique en plus, parce que tu avais attaqué par un autre sport d'ailleurs. Ouais. Donc on va revenir là-dessus. On va faire un petit passage rapide parce que donc, le rugby fédéral était au repos ce week-end, à part pour le CUC qui avait un match en retard à rattraper, mais où ils ne se sont pas rattrapés. Donc qui ont été défaits. Mais on va en profiter pour parler un peu plus. Bah, des filles qui depuis le début de la saison ça carbure du championnat en tout cas. Donc elles ont commencé par le baisser de rideau de d'ASM Toulon en mettant une belle volée aux filles du Stade Français, et puis elles ont confirmé derrière contre Villeneuve-d'Ascq 46-0. Donc très bon début de saison des filles de Romagna. Julien, je sais pas si tu regardes un peu le rugby féminin, si t'as... mais bon, pas trop le temps, je suppose. Pas trop. Non, je suis désolé, mais pas trop. Ouais. J'ai suivi un peu l'autre jour. J'ai regardé quelques quand il y avait après Clermont-Toulon, il y avait le match des filles. Donc j'ai vu qu'elles avaient fait un beau score. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai contre pas. Contre le Stade Français. Ouais. Contre les Roses. J'ai pas trop l'habitude de voir le rugby féminin. On pourrait faire un débat d'ailleurs. Est-ce qu'il faut faire un baisser de rideau? Ou est-ce que, quitte à le décaler, est-ce qu'il y ait un décalage d'une heure avant le début du top 14 ? Est-ce qu'il soit un levé, est-ce qu'il ne faut pas faire un lever de rideau ? Parce qu'après le match, les supporters sont partis et n'ont pas regardé les matchs. Je pense que ça doit être très, très frustrant. C'est un peu frustrant, mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose quand même. Mais je m'interroge si c'est pas plus un lever de rideau. Mais les levées de rideau, ça n'existe plus. Je crois qu'ils veulent pas pour préserver la pelouse, peut-être, ou je sais pas, mais c'est vrai que c'est, ils tendent plus vers ces baissées de rideau. Je dirais que ce qui est bien, c'est quand même que on voit que la relation avec l'ASM Romagna s'accélère et se poursuit. Ça bosse dans ce sens-là, on va dire. Et puis, bon, bah, les résultats des filles, j'espère, vont confirmer qu'elles vont retourner à nouveau en jouer le dernier carré comme chaque année. Elles méritent. Et puis, elles méritent, quoi. Elles bossent bien. Et puis, bon, les résultats sont là pour l'instant. Donc, Fabrice Ribeyrol continue de faire du très bon boulot. Et Vincent. Avec Vincent Farjas. Et puis voilà, d'ailleurs la réserve aussi a gagné contre Grenoble 26-0 chez les filles ce week-end. Voilà. Et après, pour parler résultats aussi du week-end, l'académie de Clermont s'est bien comportée ce week-end avec malheureusement quand même une défaite des espoirs à La Rochelle, mais on va dire que c'est un bon résultat parce qu'ils reviennent avec le bonus défensif. Je ne sais pas si ça conviendra à Elvis Vermeulen, mais je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas préféré gagner à La Rochelle. Par contre, les Crabos et les U16 font un gros début de championnat aussi, il me semble que les deux sont invaincus. Et les deux ont gagné contre Yonax assez largement avec bonus offensif. La jeunesse clermontoise se comporte bien ce début de saison, donc voilà, et on sent que le club y travaille aussi. Hein. Au niveau, toi, tu as pu voir un peu, vous croisez un peu les plus jeunes, les espoirs qui viennent s'entraîner avec vous, bien sûr. Et puis, tu as un œil un petit peu justement sur les futures pépites, là, on va dire, qu'on a chez nous. Les futures pépites, après, moi, je croise les mecs qui montent en pro et qui font la balance un peu, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a du potentiel, il y a des mecs qui ont du niveau, qui ont déjà le niveau. On l'a vu ce week-end. Ouais, t'as un œil, justement, j'allais te poser la question sur Léon Daricard. Ouais, t'as Léon qui est jeune, quoi. C'est quel âge il a ? Il a 20 ans. mais 10 ans, donc je me rappelle, moi, quand j'ai commencé le rugby et que les mecs avaient 10 ans de plus. Mais c'est tout jeune, il a déjà le physique pour, il a la compréhension du jeu, et donc... S'il continue sur sa progression et continue à bosser. Puis tu étais comme lui, tu étais international moins de 20, qui montait, qui jouait tes premiers matchs en pro à peu près au même âge, c'est ça ? Après, moi, j'allais jouer dans un club à Agen, à l'époque, c'était Pro D2. Bon, on faisait la balance. C'est peut-être un peu plus facile que de commencer quand tu es à Clermont. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est du top 14, il y a beaucoup de joueurs. Donc, ils peuvent se boutonner. C'est un potentiel et c'est bien.
Oui, et puis c'est sûr que on a la chance, malgré tout, quand même, d'avoir des jeunes qui enquillent, comme Yerim Fall aussi. Ouais. Tu as un rôle de papa avec ces gens-là, tu discutes un peu avec eux, ou c'est eux qui viennent vers toi pour... Pas forcément un rôle de papa. Après, on a des bonnes relations avec les jeunes. Ils sont bonnards, ils se prennent pas la tête. À une autre époque, c'était un peu différent. Les vieux, ils traitaient les jeunes un peu plus différemment. Ouais. Et aujourd'hui, on a une bonne relation. Et quand c'est sur des petits aspects de jeu, des petits aspects techniques, pardon, voilà, on apporte notre petit truc, on donne des conseils, mais ils ont cette progression. Ils sont bien entourés, même avec les coachs, avec les joueurs, c'est vrai que ça discute. Mais je m'en rends pas compte au final, mais c'est la logique des choses, oui. On apporte des petits trucs. Mais... Sur les adversaires potentiels, mais spécifiquement, pas l'équipe, mais de certains joueurs, vous pouvez parler, de dire fais attention, il y a un tel en face, là. Ouais, bien sûr. C'est analysé aussi. Hein. Ouais, ça fait partie de l'analyse individuelle des mecs. Tu sais comment tel joueur va jouer, tel joueur aime bien faire tel crochet. C'est important de se préparer avant les matchs pour être prêt à bien défendre, à bien attaquer. Voilà, il y a des joueurs qui ont des points forts, des points faibles. On parlait du Racing tout à l'heure. Qui est craint dans les lignes arrières du Racing? Qui est craint bon, ce début de semaine, on a parlé de 9-10, le Garek et Gibert. Parce que bon, c'est mettre à jouer, ça met beaucoup de vitesse. Le Garek est assez électrique et fort ballon en main. Ouais, il porte les ballons. C'est un mec qui est dangereux. Gibert aussi, pareil, il fait beaucoup jouer. Il sait tout faire. Il peut jouer au pied, il peut mettre les ballons où il veut. Donc voilà, t'as cette charnière qui est importante, qu'il va falloir cibler, qu'il va falloir museler, on va dire. Après, derrière, t'as des pattes sur les ailes. T'as Rundale, on l'a vu, hein, le début de saison de l'anglais. Là. C'est un mec qui va très très vite. Il va falloir suivre de près aussi. Et Spring à l'arrière aussi qui va 2000. Spring à l'arrière, voilà, enfin, Spring, c'est un plus petit gabarit, c'est plus difficile à défendre, voilà, faut le contenir. Mais de toute façon, ils ont des facteurs risques quasiment à tous les postes. Ouais, hein. Ouais. Puis le centre du terrain, c'est costaud. Hein. Le centre du terrain, c'est costaud. Avec Saïli, Ficou, c'est en défense. Ça se ferait rarement prendre. C'est quand même une sacrée ligne de trois quarts. Stélia également, qui nous fait toujours des misères aussi. Ouais. Depuis Rennes. Ah, Imhoff. Imhoff. Ouais. Ah bah Imhoff, lui, il a une deuxième jeunesse, j'en ai l'impression. Il s'est accroché pour re-signer et puis maintenant il. Ah, je sais pas quel âge il a, Imhoff, mais. Ouais, c'est fou. Je crois qu'il doit avoir 34 ans. Ouais, il a un tas de matchs contre La Rochelle, encore de folie, quoi. Mais il a encore ses pattes de 111 essais. Tiens, on a Valérie qui est connectée. On lui fait un petit coucou à Valérie qui est malade, mais elle est derrière son clavier quand même. Elle a bougé, bien sûr, quand on a parlé des filles. Ça. Ouais. Bon, mais on va terminer l'émission avec notre dernière rubrique qui est une photo des souvenirs et ça nous permettra de parler un peu plus de Julien encore. Si Ghislaine retrouve le... Paf. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, je t'ai ressorti un peu une photo collector. Ouais, sympa. De la jeunesse. Ouais. Donc, on va en profiter. Alors, je te laisserai commenter là, en partie, du coup, là, cette vie à jeunesse que tu as eue. Mais c'est vrai que tu as commencé le sport par le foot, en fait, avant d'être un rugbyman. Exactement. Ça. Donc, tu es natif d'Auch. Je suis natif d'Auch, dans le Gers. Et quand j'étais jeune, c'était le foot, parce que j'étais un grand fan de foot, et je me suis tourné vers le foot naturellement. Dans le club de Auch ? Non, pas Auch. Moi, je suis du nord du Gers. C'est un petit village qui s'appelle Île-Bouzon, d'où je viens. Bon, il y a 150 habitants, donc bon, tu vas pas connaître. Mais le foot, j'ai commencé à Saint-Clar et le rugby à Lectour. Lectour, peut-être que ça peut parler un peu, mais voilà, c'est une limite Tarn-et-Garonne. Donc on est assez loin d'Auch,
Mais voilà, ouais, j'ai commencé le foot du coup dans un club qui s'appelait Saint-Clar. Ouais. Et par la suite, du coup, je suis parti vers le rugby. Et comment t'es venu au rugby justement ? Comment je suis venu au rugby au collège à peu près. C'était la Coupe du Monde de 2007, je crois. Oui, c'est à cette période-là à peu près que je suis parti au rugby. Et j'avais une bande de potes qui faisaient du rugby, moi j'avais le foot. Ça me plaisait plus ou moins et j'avais envie de changer de sport. Donc j'ai passé le cap, je suis parti au rugby avec mes nouveaux potes. Et voilà comment l'histoire a commencé. J'ai fait 2 ans. Lectour, sélection. Et sélection régionale d'abord. Exactement, ouais. Il y a eu des sélections en Gers, Armagnac-Bigorre. Ça remonte, hein, donc faut que je me là, les Agenais, ils se disent celui-là, il est pas mal, on va peut-être aller le gratter un peu. C'est vrai que, oui, à l'époque, après c'est en entente avec Florence Lectour, j'ai fait 1 an. On a vécu une belle saison, je me rappelle, en cadet. Cadet au minimum. Ouais, en cadet. Et à la suite de ça, j'avais le choix entre Auch et Agen, parce que bon, des recruteurs étaient venus des deux côtés, et j'avais fait le choix de partir à Agen. Auch, le pays de Jacques Fourcq. Exactement, ouais. Et je ne suis pas resté dans mon département. Je ne sais pas pourquoi je suis parti à Agen. Ça me tentait. Et puis bon, c'était un club que je suivais aussi plus ou moins. Visiblement, ça a été un bon choix parce que la suite t'a donné raison. Exactement, c'était un bon choix d'entrer en KDA. Je crois que je suis arrivé KDA à la Mercerie. Voilà, je me suis régalé. En jeune, on avait des bons jeunes. Donc on accrochait les phases finales. Et puis voilà, même des potes aujourd'hui encore, Pierre Fouissac, c'est un mec que j'ai connu en cadet à Agen, qu'on se connaît depuis cette époque-là. Donc voilà, on a créé de bons potes avec cette époque-là que je côtoie toujours aujourd'hui. Donc voilà le choix d'Agen. Et donc à Agen, c'est là où tu fais tes premiers pas en professionnel, en même temps que tes sélections en moins de 20 lors d'une Coupe du Monde, hein, c'est ça? Ouais. J'ai dû commencer, je ne sais plus à quel âge j'ai commencé, mais mon premier match c'était à Albi, je me rappelle, j'étais remplaçant. C'est ça. Et on s'en souvient toujours du premier, normalement. Normalement, on n'oublie pas. Mais ouais, je suis passé aussi par le Pôle France. Ouais. Moi, j'ai eu des soucis d'épaule et au final, j'avais pas fait la Coupe du Monde avec mon année de moins de 20. Mmh. Et j'avais été appelé avec la génération d'au-dessus pour finir. Donc, c'est là où j'ai eu mes sélections en moins de 20 et la Coupe du Monde était en France. Donc, c'est là où j'ai connu les moins de 20 pour l'équipe de France. Donc t'étais surclassé à ce moment-là, ouais. Il y avait eu une pénurie de mecs, il y avait eu des pétés au centre. Ouais. Et donc, il m'avait appelé. C'est la génération qui fait la finale à Clermont contre les Blacks ? Non, c'est pas celle-là. Là, cette année-là, on finit cinquième en France. Et ma génération a fini aussi quatrième ou cinquième. Mais c'est après que les moins de 20 ont commencé à accrocher des demi, des finales, et puis les générations champions du monde. Ouais. C'est 3-4 ans après, je crois, un truc comme ça. Donc 5 saisons à Agen où tu fais 66 matchs, si les stats sont bonnes, où tu marques quelques essais. Ouais. Et puis l'appel de la rade, comment ça se passe à ce moment-là d'ailleurs et comment ça se passe l'envie de voir autre chose, peut-être. Et puis l'appel de Toulon aussi, quand même club emblématique de notre championnat. Et ça ne laisse pas indifférent. Donc j'ai tenté ma chance et je suis parti à Toulon. Voilà tout. Et tu fais combien de saisons du coup je fais 3 saisons. 3 saisons. Toulon, ouais. Je fais 3 saisons à Toulon. La première un peu. La première c'est l'année Covid. Donc une saison qui se finit. Tronquée. Qui se finit pas bien. Bon, au final, confinement, etc. Bon, tout ce qu'on a connu. Mais... Ouais. Et je fais 3 saisons à Toulon avant de débarquer en Auvergne il y a 1 an et demi. Voilà le parcours. Et tu t'es tu viens pas seul, tu viens avec Anthony. Avec Anthony Bello. Anthony, ouais. Et Anthony qui a joué pas mal de temps à Toulon, mais qui est de Montflanquin, un petit patelin à côté d'Agen. Des quatre cantons. Voilà, qui est Lot-et-Garonnais à la base et qui vient d'Agen lui aussi. Bon, et tu as posé tes valises à Clermont, donc tu disais un peu en off, tu appréciais bien la vie clermontoise, tu t'es bien adapté. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens, on va dire, parmi pas mal de choses qui sont sympas à Clermont.
Ouais, il y a deux trucs, hein. Il y a la ville, il y a la région. Moi, j'apprécie, j'aime bien, je trouve la ville sympa. Malgré ce que certaines personnes peuvent dire, c'est noir, c'est machin, on entend de tout, hein. Mais Ouais. moi, je trouve la ville super sympa avec les volcans. Bon, il y a plein de trucs à faire aux alentours. Et puis après, il y a le côté club l'ASM, qui est un grand club. Moi, étant petit, j'étais un supporter avec mon papa de Clermont. Donc, on a pu suivre la folle épopée des années. D'Alex. Voilà, exactement. Tu peux le dire, il est Après, parti maintenant. ouais. Donc voilà, ça représentait quelque chose pour moi. Et puis au niveau professionnalisme, on est au top, quoi. On a un outil de travail qui est exceptionnel. Donc il y a tout ça qui fait que on s'y sent bien, on peut bien travailler et on est épanoui, voilà. Tu parlais de que tu avais commencé par le football. Tu Ouais. suis toujours le football? Tu vas voir le football à Clermont-Ferrand ou pas? Non, je voulais aller voir un match l'autre fois, mais bon, c'était plein. Est-ce que tu sais qu'on a un Agenais qui s'appelle Jim Alevina? Ah non. Son papa est à Agen et lui, il avait joué, il a débuté à Marmande au D'accord, ok, football. Marmande, oui. Ok, d'accord. Ah, Il y en a partout, hein, ouais, ils sont ceux-là, hein. Ils partout, ils sont sont partout. partout. Ils sont partout. Bon, mais en tout cas, ben merci pour ce retour sur ta carrière. Ça permet de te connaître encore un peu plus. Parce que c'est vrai que les Clermontois aussi, on aime bien en savoir un peu plus sur nos joueurs. Ça permet d'échanger un peu plus. Et ben en tout cas, on va maintenant croiser les doigts, hein, pour samedi. Et puis pour toi aussi, d'ailleurs, on te souhaite le meilleur pour la Merci. suite. Et puis déjà, et puis te remercier d'être venu sur le plateau, nous accompagner ce soir, et en espérant que tu auras envie d'y revenir d'ailleurs. Avec plaisir. Les gens t'auront découvert, je pense. Ouais, Oui, c'est je ça. pense. Je pense. Et on vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. En tout cas, on compte sur vous pour venir soutenir les Jaunards samedi. Tous derrière eux. Et puis on se retrouve. D'ici une quinzaine de jours, on vous donnera la date exacte parce qu'on risque de changer le jour de diffusion. Donc, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à liker la page, les pages YouTube et Facebook, et faites tourner l'émission. Faites-nous connaître, on sera content. À bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.